Bonjour, je m'appelle Gamal. Bonjour, je m'appelle Marvin, je suis hébergé dans un centre du SAMU social de Paris. Avec d'autres personnes accueillies, je suis membre du débat permanent. Ensemble, nous réfléchissons à améliorer le quotidien des personnes qui vivent dans les centres d'hébergement. En mars prochain, ce sont les élections municipales. C'est l'occasion de faire entendre la voix des personnes en grande difficulté. Tous ensemble, nous avons réfléchi à des questions ou des propositions que nous avons envoyées aux candidats à Paris. Les voici. Augmenter les capacités des structures d'hébergement et réquisitionner les logements vacants. Avoir des lieux pour cuisiner dans les centres d'hébergement et dans les hôtels. Mettre en place un guichet d'information unique dans tous les quartiers. Mettre à disposition des lieux pour que les personnes puissent se rencontrer et participer à des activités. Pendant le temps de régularisation, permettre à la personne de faire une formation et d'apprendre aussi le français. Ne plus bloquer l'accès à la crèche pour une question de type de séjour. Proposer des formations professionnelles aux personnes accompagnées pour faciliter leur insertion. Faire en sorte que les personnes hébergées puissent faire du bénévolat pour développer leurs compétences. Soutenez nos propositions. Partagez la vidéo sur nos réseaux sociaux. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais premièrement du coup remercier Alter Bourgogne-Franche-Comté de nous avoir invités. On est très heureux avec Gamal de participer à cette journée, très riche à nos yeux. Et du coup, on va vous présenter comment ça a été mis en place au niveau du SAMU social de Paris et comment on a pu agir dans les différentes structures d'hébergement, d'accompagnement à notre petit niveau. Donc je vais partager mon temps de parole avec Gamal. On va essayer de vous faire une présentation simple, claire, rapide et efficace surtout. N'hésitez pas si après vous avez des questions. Donc du coup, pour commencer, il faut savoir que le débat permanent, c'est un groupe de travail composé du coup de personnes hébergées, accompagnées et de personnes aussi qui sont salariées au niveau du SAMU social de Paris. Faut également savoir que du coup là ce que vous avez pu voir dans la vidéo c'était l'un de nos axes de travail, mais on va faire en sorte de vous présenter ce qui a globalement été fait. Donc ça a commencé en fait au niveau du grand débat qui a été mis en place par le gouvernement et il y a différents membres du SAMU social, des membres de la direction, des salariés qui se sont dit pourquoi ne pas essayer de mettre ça en place à notre niveau. Donc pour commencer, en fait, au début, on a dégagé 5 axes. Donc on s'est réunis en plénière, il y a eu aussi différents comités de pilotage, et on a essayé de dégager 5 axes principaux pour vraiment améliorer le quotidien et l'accompagnement des personnes hébergées, pour faire en sorte en fait, de les mettre vraiment au centre de leur accompagnement et de leur permettre aussi de prendre un peu plus de décisions. Donc toujours dans le but de créer aussi une démocratie participative et de laisser s'exprimer justement les personnes qu'on entend moins, donc certaines minorités. Nos 5 thèmes principaux, donc Gamal vous en parlera aussi tout à l'heure parce qu'il présentera ce qu'on a pu mettre en place à son niveau, donc au niveau du centre d'hébergement Popincourt, donc était axé en grande partie sur la qualité de l'hébergement, la mission écologique, la situation des personnes sans droit administratif, car on en accompagne un certain nombre aussi, l'accès à la formation et à l'emploi,
le droit des personnes à la rue et la valorisation de leur parole. Pareil, Gamal a mené pas mal de travaux à ce niveau-là et il pourra vous en parler. Et également l'amélioration des conditions de vie dans les hôtels sociaux, car le SAMU social de Paris finance de nombreux hôtels sociaux, mais il faut savoir que des fois, les conditions de vie des gens dans les hôtels sociaux sont quand même très compliquées, donc il y a aussi des gros enjeux à ce niveau-là. Donc, je donne la parole à Gamal qui va continuer un petit peu la présentation et après, on vous expliquera les 5 thèmes, ce qu'on a mis en place au niveau de nos structures et on assistera bien sûr sur le volet écologique car on a encore beaucoup de travail à ce niveau-là. Bonjour à tous. Merci de me recevoir. C'est ça la démocratie. Alors, on se présente un petit peu. Le grand débat du SAMU social, on a voulu construire ensemble pour que les questions traitées parlent de nos problèmes. On se réunit en copile avec des personnes issues de différents services du SAMU social, famille à l'hôtel, personnes en structure, personnes hébergées. On a décidé en collaboration de son organisation. Ce grand débat a eu un grand succès. Plus de 120 personnes y ont participé. Les revendications de ce débat, nous les avons présentées devant le CESE et devant le conseil d'administration du SAMU social. On a eu envie de poursuivre, pas pour blablater, mais pour agir. Et on s'est baptisé le débat permanent. Nous portons au sein de commissions de travail des actions d'amélioration pour l'ensemble des services du SAMU social, aussi pour tous les autres qui sont dans la même situation que nous. Le débat permanent a été récompensé de 4 étoiles à la 4e édition des trophées de la participation et de la concertation qui s'est tenue à l'Assemblée nationale le 3 décembre dernier. Merci. Alors, du coup, je vais commencer par vous présenter les différents points qui ont été évoqués dans les groupes de travail. Aussi pour vous parler du coup un petit peu de ma petite expérience. Donc moi je suis animateur socio-culturel depuis bientôt 4 ans au SAMU social de Paris et je suis très heureux d'avoir pu prendre part à ce projet et qu'il y ait eu surtout un relais de nombreux collègues et de nombreux membres du SAMU social de Paris. Donc en fait on a commencé par constituer des groupes de travail. Moi, je proposais à des résidents qui étaient hébergés dans la structure dans laquelle je travaille, mais il y avait aussi d'autres personnes, d'autres centres qui venaient pour nous aider à constituer ces groupes. Il y a une belle dynamique qui s'est créée. Donc moi, j'étais chargé de l'accès à l'emploi et à la formation. Ce qui est bien, c'est que ce groupe nous a permis d'aller rencontrer des acteurs de rendre un peu plus autonomes ces personnes pour qu'elles fassent ces démarches volontaires d'aller vers aussi. J'étais agréablement surpris de voir qu'il y avait aussi une dynamique quand je n'étais pas là, et ça c'était vraiment un aspect très positif. Il y a par exemple une belle rencontre avec l'association La Cravate Solidaire qui a permis en fait à certaines personnes de préparer un entretien, d'avoir un coach personnel sur le moment, qui peut aider à améliorer l'estime de soi quand on prépare un entretien d'embauche. Et justement, quand on est accompagné dans nos structures, on peut être aussi très éloigné de ces réalités liées au monde du travail. Donc il y a vraiment eu un gros axe sur l'estime de soi et la confiance en soi. Donc ça, c'était un petit exemple aussi à mon niveau personnel, mais je vais vous parler aussi de ce qui s'est fait avec un autre groupe de travail dans lequel je suis un petit peu intervenu, mais c'est aussi l'une de mes collègues qui a fait un très gros travail avec une autre personne accompagnée sur l'écologie. On a la chance d'avoir de nombreux centres qui sont dotés de nombreux espaces verts. Et on s'est dit qu'il y avait aussi de gros enjeux à faire à ce niveau-là, comme le fait de pouvoir faire en fait des jardins partagés, le fait de pouvoir mettre en place des potagers, etc., pour favoriser l'échange des personnes qui sont hébergées dans nos structures et pour essayer de consommer un petit peu ce qui aurait été produit. Donc améliorer aussi un petit peu l'alimentation qui peut être proposée à un petit niveau. Bien sûr, un potager dans une structure d'hébergement, ça ne pourra pas nourrir tout un centre, etc. Mais l'idée était aussi après de tendre vers des jardins partagés, d'ouvrir nos structures sur l'extérieur et d'augmenter l'échange, le partage avec les gens de l'extérieur qui des fois peuvent avoir une mauvaise représentation de nos missions du quotidien et de ce qu'on peut être amené
à mettre en place pour les personnes qu'on accompagne. Il y a eu aussi un autre axe de travail très important. Il faut savoir que nous, ça fait des années, pour des raisons aussi d'hygiène qui se sont renforcées avec la crise sanitaire liée au Covid. Il faut savoir qu'on travaille malheureusement énormément énormément de plastique, que ce soit gobelet en plastique, en ce moment on a des couverts en plastique, etc. Donc on s'est dit il y a vraiment un gros enjeu à faire à ce niveau-là, notamment pour proposer des alternatives. Donc il y avait un groupe qui avait proposé par exemple de fabriquer des sacs sans plastique, de mettre en place une campagne de sensibilisation avec l'aide du service communication du SAMU social de Paris, qu'on aurait appelé « Je ne suis pas jetable » avec des résidents qui feraient des photos, etc., pour sensibiliser un peu les autres publics qu'on peut accompagner et les salariés aussi qui ne sont pas toujours sensibilisés à cette question liée à l'écologie. Il faut également savoir qu'on a eu de nombreuses propositions qui se sont mises petit à petit en place. Malheureusement, tout cela a été freiné lié au Covid-19 et le projet a un peu plus d'un an. Donc ça, je vous en parlerai aussi un petit peu. On a su déterminer de nombreux axes d'amélioration pour améliorer nos pratiques et être de plus en plus dans l'action. Je continue encore un petit peu à parler de l'écologie et après, je vais laisser la parole à Gamal. On voulait aussi rencontrer justement la fédération des agriculteurs donc, qui se situent en Ile-de-France pour améliorer justement l'agriculture biologique et vraiment améliorer l'alimentation dans les centres pour consommer des produits de meilleure qualité et des produits de proximité. Il faut savoir qu'on a pu mettre aussi en place, ça reprend, des groupes d'expression au niveau de nos centres où une fois par mois on recueille la parole des personnes qu'on accompagne. On essaye d'écouter leurs revendications et bien sûr on essaye de prendre en considération ce qu'elles nous ont à dire et ce qu'elles ont à nous dire, pardon, et de bien sûr répondre à ces questions. Encore une fois, ça n'est pas magique, on essaye de répondre à tout ça avec les moyens qu'on nous met à disposition. Mais il faut savoir qu'il y avait des remontées importantes sur la qualité de l'alimentation et on a de nombreuses personnes, dans les personnes qu'on accompagne, qui sont vraiment sensibilisées à ce sujet et qui souhaitent réellement qu'on passe par des filières de circuits courts. Donc on va vraiment essayer de mettre ça en place et de consommer, si on peut, local, même si encore une fois, le travail sera très important. Je laisse la parole à Gamal. Alors je vais vous parler un petit peu de mon centre à moi, où je vis actuellement. Alors on essaye, avant bien sûr le Covid, hein, je parle avant, alors on a fait les jardins partagés, on a l'intervention de la Maison de la Poésie, on a fait deux livres, on a fait une pièce de théâtre pour faire la synthèse de tout notre travail, quoi. J'ai commencé à faire de la récupération dans les marchés et pour qu'on puisse s'alimenter un petit peu mieux que d'habitude, quoi, en fruits et légumes, tout ça. Comme ça, on peut se faire des salades. Ça réunit les personnes. La poésie, ça nous permet de nous rencontrer et de savoir qu'est-ce qu'on pense l'un et l'autre, puisque d'habitude on se parle pas trop, quoi, dans les centres. Après, on a réussi à faire des crêpes, des couscous, tout ça. Comme quoi, avec trois fois rien, on peut faire beaucoup de choses. On fait de la couture. On a fait des masques. Là, on a les gens, ils font des vêtements, ils font tout. On a des couturiers hors pair en plus. Parce qu'en plus, quand on fait des ateliers, on découvre les gens. On découvre des personnes qui ont vraiment des qualités, quoi. C'est vraiment, ils sont bons dans ça. Alors que si on n'aurait pas essayé de créer ça, jamais on les aurait rencontrés. Jamais on aurait pu communiquer avec eux. Jamais on n'aurait pu avancer grâce à eux aussi. Je voudrais bien mettre aussi des... nous, on ne peut pas, hélas, mais dans certains centres, ils peuvent. C'est mettre des poules pour qu'ils mangent les déchets. Voilà, c'est simple, c'est pas compliqué, et ils mangent tout. Et en plus, ça se tient compagnie. La plupart des gens qui sont SDF, ils sont tout seuls dans la rue, ils sont tout seuls, et dans un centre et tout ça, même se retrouver avec une poule, on peut lui faire une discussion. Voilà. La poésie, ça nous a aidé. Moi, ça m'a aidé beaucoup, parce que c'est quelque chose, c'était important pour moi.
Et assembler des mots, faire des phrases, tout ça, c'est de la communication, quoi. On arrive à parler correctement avec les autres personnes. Et quand on se représente, les gens, ils sont surpris parce qu'ils s'aperçoivent qu'on sait parler, quoi. On n'est pas que des clochards dans la rue, quoi. On est des vrais personnages avec un cerveau, une bouche et un cœur. Alors, on est des êtres humains, quoi. On est comme tout le monde. Les gens, ils nous prennent pour des invisibles, mais on existe. Regardez, aujourd'hui, je suis là en face de vous. Voilà, j'ai un micro et vous m'écoutez. Donc, on passe des caps. On essaye, moi, j'essaye de mettre en place aussi, là, avec... vous pouvez le faire aussi ici à Dijon, avec la RATP. Étant donné qu'on nous a supprimé les cabines téléphoniques, les gens là, qui sont à la rue, ils ne peuvent pas appeler le 115. Comment ils font? Ils ne peuvent pas, ils dorment encore dehors. Tandis que moi, avec ma solution, c'est simple, c'est aller faire un partenariat avec la RATP. Et à chaque guichet qui ferme près d'une heure, vers 1h du matin et qui ouvre à 5h du matin, et bien qu'ils aient comme à la poste là, les stylos, vous savez, vous voyez avec les petites chaînes là, et bien qu'on leur retire les touches, on leur laisse juste le 1 et le 5 et la touche verte pour parler. Comme ça, ils peuvent communiquer avec le 115, le SAMU social. Comme ça, ils peuvent dormir au chaud. Et ça, c'est super important. Aussi, je fais des questionnaires. Je questionne les SDF dans la rue pour leur demander depuis quand ils sont dans la rue, quelles sont leurs raisons principales. Faites-vous des démarches en ce moment? Qu'est-ce qui peut vous aider à améliorer votre quotidien de la rue, quoi? Et je me suis aperçu qu'il y a plein de personnes âgées. Ils dorment aux urgences. Ils ont 74 ans, 75 ans. Ça fait au moins 10 ans qu'ils dorment aux urgences. C'est pas normal. Et tellement ils sont invisibles que personne ne fait rien pour eux. Ils ont tellement honte, eux, de leur situation, parce que c'est, il n'y a pas de fierté à être dehors. Et ils ont tellement honte de leur situation qu'ils sont là. Et je connais un petit monsieur, il doit avoir 78 ans. Il est arrivé il y a quelques années, il est arrivé tout droit aux urgences. Hein. Et là maintenant, à force de dormir sur une chaise, eh bien, il marche de travers. C'est pas normal. C'est pas normal. On est tous des êtres humains. Si on est tous un petit peu d'une autre, on peut avancer. Il faut faire des partenariats, il faut s'unir entre nous. C'est tisser une toile d'araignée qu'on puisse tous. Si on a besoin de quelque chose, eh ben Nathan, il peut me le ramener. Si Nathan, il a besoin de quelque chose, moi, je peux lui ramener. C'est que des échanges, la vie, en fait. Hein. C'est pas plus. Hein. C'est des échanges et voilà, c'est pas compliqué. À toi, Nathan. Merci beaucoup. Merci.